Le 25 octobre 2013, les téléspectateurs de France 2 ont fait la connaissance du capitaine Kader Chérif, interprété par Abdelhafid de Metalsi. L'acteur, également vu dans Engrenage et le film L'instinct de mort, est resté fidèle à la série depuis. Mais l'année dernière, à la fin de la saison 5, un événement a mis à l'épreuve sa motivation. En janvier 2017, sa partenaire Carole Bianic a annoncé qu'elle quittait Chérif. Interprète du capitaine Adeline Briard depuis le lancement de la série, l'actrice avait expliqué sa décision à nos confrères de Télé Loisirs. Mère de son premier enfant depuis peu, elle avait confié qu'elle voulait lever le pied. « C'est moi qui ai déclenché le processus », précisait-elle. Quand je suis tombée enceinte, je me suis interrogée sur mon avenir personnel et professionnel. Je ne voulais pas partir en tournage 6 mois dans l'année et passer à côté de ma vie de maman. Point les doutes d'Abdelhafid de Metalsi sur l'avenir de Chérif. Point le 19 janvier 2017. Les téléspectateurs ont donc vu Adeline Briard pour la dernière fois aux côtés de Kader Chérif dans un final de saison 5 riche en émotions. Comme son personnage, Abdelhafid de Metalsi s'est alors retrouvé seul et assailli de doutes. Quand Carole Bianic a décidé d'arrêter, je me suis en effet posé la question de continuer ou pas, confie-t-il aujourd'hui à Télé Loisirs. Il y avait une nouvelle partenaire mais était-ce suffisant? Est-ce que le public allait suivre à l'issue de sa réflexion? Le comédien a heureusement décidé de poursuivre l'aventure. Un élément, en particulier, a pesé dans la balance. Le renouvellement est venu des intrigues et aussi, pour beaucoup, de l'idée de pouvoir réaliser 2 épisodes de cette saison. L'acteur a pu passer derrière la caméra pour les épisodes 6 et 10, à retrouver bientôt sur France 2. Ce 4 janvier 2018, les téléspectateurs vont enfin retrouver Kader Chérif pour le lancement de la 6e saison. Si Carole Bianic ne sera plus là, ils pourront apprécier sa remplaçante, Aurore Ergy. La comédienne de 39 ans s'est très bien intégrée à l'équipe. « Tout le monde a été extrêmement bienveillant », a-t-elle assuré à Téléstar. Cela comprend bien évidemment Abdelhafid de Metalsi, qui l'a prise sous son aile. « Je l'ai déjà remercié pour la façon dont il m'avait accueilli », a-t-elle confié au magazine. Pour le reste, il sait combien je suis heureuse de travailler avec lui. Reste à savoir si ce nouveau duo saura séduire les téléspectateurs, encore marqués par le départ du capitaine Adeline Briard.